Oh ça, moi et YouTube, dans les derniers temps, ça marche pas. Toutes les séries que j'ai parties, dead. J'ai fait 2 épisodes, dead. 1 épisode, dead. C'est normal, c'est parce que je me cherchais encore. Je me cherche encore aujourd'hui, bien entendu. J'ai 21 ans, je me connais pas, puis je change constamment à chaque année. Ce que je veux dire, je me suis mis beaucoup de pression dans les dernières 1 an, 2 ans, pour différentes raisons. Tu sais, j'ai déménagé, je suis rendu à Montréal, je suis plus dans la même ville, je suis rendu tout seul en appartement. J'ai commencé l'université, je m'apprête à finir l'université dans 1 an. Il y a tellement de choses qui sont arrivées en même temps, tellement de nouveaux trucs à gérer. Ma passion, pourquoi j'ai commencé YouTube, et plus la même pourquoi je suis aujourd'hui sur la plateforme, mais deep down, les raisons sont les mêmes, ce qui est à dire partager ma passion avec le reste du monde. Fait que je suis ici aujourd'hui pour jaser un peu de ça rapidement, essayer de faire ça short and sweet, you know, pas perdre votre temps, pas perdre mon temps, essayer de faire ça cool. Je suis pas ici pour m'excuser, je suis pas ici pour vous demander du pardon, je suis pas ici pour faire des promesses non plus, je suis ici pour mettre les choses au clair, malgré tout ce qui peut arriver, malgré peu importe, faut pas t'y prendre trop au sérieux. Je pense que c'est la beauté de quand on commence sur une plateforme comme YouTube, tout devient naturel, ça y va, puis c'est let's go man. Moi je pars 200 km/h par là-bas, puis je regarde pas derrière. C'est ça qui a fait que j'ai autant réussi la plateforme quand j'ai commencé, puis c'est exactement ce qui a fait aussi que dans les dernières années, j'avais aucune idée où je m'en allais, parce que je savais pas que je m'en allais où. Je savais pas que je faisais. Je faisais une vidéo par ici, une vidéo par là, 2 semaines de pause, 1 mois de pause. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça aussi, ça m'ennuie, oui, mais overall, j'en ai tiré plus de positifs que de négatifs, parce que j'ai appris c'est quoi que c'est un peu float away pis sans vraiment savoir où je m'en vais, pis c'est de quoi que j'ai appris qui va me suivre pour le restant de ma carrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, juste là pour vous dire que ça va mieux, je sais plus où je m'en vais, j'ai une nouvelle passion que j'ai hâte de pouvoir partager avec vous. En résumé, je veux juste être plus franc et être honnête, parce que s'il y a une chose que je me suis dit que je veux être reconnu pour YouTube ou sur ma chaîne en général, ou en tant que, juste en tant que personnalité publique, je veux être authentique. C'est tout. Je veux être le gars qui a resté authentique à travers tout ça. Si je reste moi-même tout le temps, j'aurai pas de problème, you know? That's it. Man, short and sweet, I'm done. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je fais pas de promesses sur ce qui s'en vient. Je fais pas rien là-dessus. C'est juste pour vous dire merci, je vous aime d'être là en ce moment, peu importe juste que vous soyez en ce moment en train d'écouter ce que je dis, ça veut dire tout pour moi. Après tout, tout ce que je fais, c'est juste moi. Y'a pas d'autres personnes derrière la caméra, j'ai pas quelqu'un qui monte mes vidéos. C'est me, and that's it. Just one guy, doing my thing. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, take care, I'll see you soon, I promise. Faut que j'arrête de parler en anglais tout le temps. Parler en français.